Merci, merci. Merci. Merci, 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 merci. Merci beaucoup. Moi, remercier. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. Moi, remercier le professeur pour après ça. Présider mardi communauté haïtienne le moi j'ai une invitation pour me participer dans G7 sept plus gros pays sur la terre pour discuter de problèmes changement climatique là par exemple nous mêmes nous sommes petits pays c'est nous qui avons subi problème là et pourtant c'est pas nous qui cause moi te dit chef cabinet a, moi, pas passer Canada pour me parler à la communauté. Je dis, président. Comment on a fait ça? Moi, je dis, c'est Charles Voix qui a l'événement fait. Même dit, cherche un jour, faut que je dorme à Montréal pour me parler à la communauté. Montréal, je ne parle pas de ça. Parce que l'on n'a pas parlé, l'autre n'a pas parlé pour vous. Et j'en ai dit dans la campagne, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas pour me faire frère Maxime qui est dans la diaspora, qui est relé famille nous, zami nous en Haïti. Il y a nous-mêmes qui étaient à l'Haïti à faire campagne, qui dépensaient l'argent dans la campagne. Je dis à son engagement que nous avons envers nous. C'est pour une promesse encore, parce que nous mettons au pouvoir. Je dis, je n'ai pas de choix, mais je suis seul, en graine, pour me faire que le pays d'Haïti prenne l'autre direction pendant 5 ans de nous. Je n'est pas facile. Daniel Joseph, conseiller, moi, sur ben nous. Parole là, non, non, j'ai imagé, mais ma bonne nous directement. C'est un coup, et l'État, chaque action qu'il pose, et puis, ou pas, ouais, nation à la donne, ou pas, ouais, peuple à la donne. C'est un coup, l'État, c'est normal pour que, il y ait un problème, et puis l'État lui-même, qui t'a supposé apporter solution, il n'y a pas apporté. C'est donc l'État, c'est le peuple qui l'a pour faire travailler pour lui, mais ce n'est pas l'État qui l'a pour travailler pour le peuple. Les gens qui sont dans le salon, qui ont gardé là, je connais l'accueil ça que je recevais aujourd'hui, ça veut dire que l'organisateur a prévu de faire l'événement. Je te prévois un seul salle. Quantité de monde qui vient, obligez nous-mêmes qu'en bas, de diviser nous en deux. Mais il faut me dire, nous, je connais n'a regardé et m'a dit, nous, à soir, moins content. Moins content en pile. Parce que moi, quantité de monde, ça, yo, communauté à 120 000 personnes, moi, ouais, quantité de monde déplacé pour venir tendre, pour venir garder ça me fait. Parce que si je fais 15 mois sous pouvoir, et puis
pour me passer Canada pour se camper me camper pour me faire un discours. C'est ça que fait assurer une bonne décision. Documentaire se passer à la durée 30 minutes, 33 minutes pour me préciser. Moi-même m'a fait moitié temps pas là nous pour me tendre nous plutôt pour nous temps pour nous poser une question. Parce que l'on pays tant qu'au Haïti qui gagne mes ressources. On prend l'exemple ça nous autres là. Là moi fin pour investir le 7 février. On commencer marcher à travers tout pays. On arrivé dans le nord-ouest dans direction départementale. Alors m'a ban nous inspiration équipement au côté ressource. Moi arrivé dans direction départementale nord-ouest et puis moi joindre un opérateur dit monsieur depuis qu'il ou opérer un chargeur loader que opérateur a touché l'argent de tabouli monsieur met tête li en l'air monsieur pas même songer dernière fois le trouver un loader et monsieur même j'ai ça chaque mois me dit là mon gros problème un paquet employé l'état a touché l'argent l'état ça veut dire l'argent taxe parce que faut pas oublier qui ça nous représenter pour pays là. Nous représentons 25% PIB pays. Plus que 25% parce que nous voyons en Haïti 2,5 milliards de dollars chaque année. Et PIB nous c'est 8 milliards de dollars. Ça veut dire plus que 8,5 milliards, plus que 25%, nous dit presque 28%. Ça veut dire nous c'est des mondes qui sont extrêmement importants. Et pourtant. Jean, docteur Fizé Mesou Dili, doit nous avons un devoir et pourtant doit nous pas respecter. Est-ce que la constitution pays a bail moun qui dans diaspora doit pour le député, pour le sénateur, pour le président? Non. Est-ce que la constitution pays a lui permettre que diaspora joigne un régime spécial pour venir faire gros investissement dans le pays? Non. Eh bien, c'est pour ça que nous avons fait campagne là. Parce que, moi, je t'ai aimé, dis-nous à soi, chercher tes campagnes en 22 mois et demander. Chef communication maintenant pour le fond documentaire comme ça tout sur tout ça me te dit pour nous ouais pendant ma travail là ça me dit par rapport à ça m'a fait moi te dit fuck gon état généraux sectoriel qui fait dans pays là parce que mon bon problème c'est pas président qui a résoudre lui parce que hypocrisie à toi en dans société là. Faire route, m'a mettre lumière dans me dit nous ça c'est pas promesse c'est un engagement me prend m'tendé mon a parlé de lumière 24 sur 24 nous pas même besoin parler de ça encore jodi a mon engagement envers nation haïtienne m'a mettre lumière en Haïti 24 sur 24 c'est ça son engagement que me prend mais problème d'ordre structurel yo. Dans les affaires renforcement institutionnel, dans les affaires comment pour les gens vivent avec l'autre, c'est nous-mêmes. Et c'est pour ça que j'ai fait campagne avec les états généraux sectoriels de la nation. États généraux sectoriels, c'est une manière pour chaque Haïtien, quand tu es dans la diaspora, quand tu vis en Haïti d'ailleurs. C'est pour ça que nous, l'équipe là, les montée. Et moi-même, je dis ça. Débat a commencé dans l'État généraux. Nous, on a même monté l'État généraux seulement. Il y a des gens qui ont des problèmes avec l'autre.
qui te fin d'accord pour participer dans l'État-Unis, ensuite yo dit yo pas d'accord parce que il y a tel monde qui là dedans. Ça veut dire pour pays malade. Qui ça pour me gagner encore haïtien pour me pas chita par la cour. Nous sommes faire campagne. Gen pile problème côté mi a tout monde compte qui quantité dossier que nèg t'a essayé mettre sur moi. Mais tout monde yo c'est haïtien, moi pas répondre par la cour tout et me parler par la cour tout faut me dire nous ça. Parce que pays pas capable encore. Nous pas capable prêter pour nous à construire une division en d'un pays à pour nous battre, pour nous diviser, pour nous rayer. Pays pas qu'on dirige. Pays pas qu'on dirige avec médiocrité. Pays dirige à compétence, à excellence. Comment on paye? Chaque 100 moun k'ap viv là-dedans, 87 moun ki pi konn li ak ekri se nan diaspora liye, et puis jodi a nous décider mete diaspora a pa sou côté côté de Malavie. Côté de moi là avec lui. Comment pou n'pa créer condition pour moun sa yo ki pi konn li ak pi konn ekri ki se haïtien yo? Et puis pour nous décider eux-mêmes nous mettre de côté. Mais où est l'état général? Jodi a mandé nous nous-mêmes qui dans diaspora. Cette majorité silencieuse que moi-même m'ai fait, m'étais membre majorité silencieuse ça tout. Bonjour, me prend décision, me dit pas capable encore, m'bral parler et joue ça. C'est jour me prend décision m'entrer dans politique là. Nous ouais. Comment bagaille était dû? Moi président première fois. Monsieur dame yo crasé élection ak mensonge. Ça veut dire son pays chaque temps qu'on a besoin de tout monde na soir il dit bon demain matin on va le craser monsieur. Et puis le radio sortant de avre pour journée l'éliminer ou. L'assassiner caractère ou. Le finir avec vous. Est-ce que je dis, moi-même, je dis, nous-mêmes qui sommes dans la diaspora, nous pas rester passifs dans l'État général, je vais vous conseiller. Je vais même dire, pour ne parler seulement, nous faut être agressif. Les gens qui sont dans l'État général, c'est pour prendre l'avion, pour venir au Canada, pour aller à New York, pour aller de tous côtés, pour venir parler avec nous, pour nous dire, mais qui ça nous voulait nous-mêmes, mais comment nous voulons pays, ça y est. Pays d'Haïti dans 25, dans 50 ans, dans 100 ans, mais ça ne veut. Parce que pas une génération spontanée. Pays n'a pas vu aujourd'hui, c'est responsabilité, c'est irresponsabilité génération passée. Aujourd'hui, c'est responsabilité pas nous. Pour nous quittons l'autre pays, pour Timoun, d'un coup, si demoiselle, sa fillette là qui se pote fleur pour madame. Pour nous quittons l'autre pays pour eux, c'est nous pour aujourd'hui pour une décision. Personne ne peut prendre décision ça dans place nous. Personne. D'ailleurs, si nous quittons l'autre monde qui peut venir bon, il a pris décision qu'il veut pour nous. Et c'est pour ça que nous, dans le documentaire, nous avons regardé plusieurs fois que les gens qui ont parlé sous lien, ils disent que c'est le reste cochon qui a pris le cochon. Nous connaissons bien que ma bataille avec Frère Mio. Sommes dans la communauté internationale, le pays qui connaît de Haïti. Yo. Parce que ça fait 64 ans depuis le pays a recevoir aide. 64 ans, depuis 1954, il a commencé à aider Haïti. Dernier 10 ans, yo, Haïti recevoir 10 800 000 000 $. On nous regarde l'État pays, on fait un exercice. Plus que 10% de ces gens qui doivent l'école, ils vont à l'école. Le pays a besoin de 15 000 salles de classe aujourd'hui pour mettre tout le reste de l'école. Sur chaque 100 haïtiens qui vivent, il y a 30 seulement qui ont accès à l'électricité. Sur chaque 100 haïtiens qui vivent, il y a moins que 30 qui ont accès à de l'eau potable. Le pays a, dans la route intercommunale, pas de 12% qui construit la donne. Je dis à mon engagement devant nous. Je dis à quitter 100% de route construite dans le pays pendant le mandat. Nous ne
146 communes dans le pays. Pendant le mandat, ça a fait 146 communes interconnectées. Un monde qui tibion ou besoin de pestel, ou pas besoin de réfléchir pour dire, ah, est-ce que rivière sous les îles descend? Ou pas réfléchir comme ça. C'est pour prendre machine nous, monter maintenant, on descend les îles, ou tomber de nous, ou tomber Dame Marie, ou tomber Chambellan, ou tomber Moron, ou prendre Jérémy, ou prendre Ozo, ou virer Cafouchal, ou entrer Corail, et puis voir le Pestel. Mais nous pas qu'à accepter, et me dit nous ça aujourd'hui, hein, faut pas jamais d'accord. Pour nous faire nous suspendre rêver. C'est ça qui passe le pays d'Haïti. Pour une raison, pour un autre groupe monde qui fait haïtien suspendre rêver. Nous tellement suspendre rêver, nous même oublions ça que le bien-être. C'est un coup nous sommes là, dans la caille que nous construisons pour nous. Nous, leur montrer la toilette hygiénique. Moi, nous battons bravo, moi, comprenez nous. Ça veut dire en Haïti nous compte ça. Ça veut dire qu'un groupe monde dans le pays a toilette hygiénique faite pour eux, l'autre groupe monde toilette hygiénique pas faite pour eux. Est-ce que nous avons construit une société comme ça? Non, imaginez-nous, nous diviser nous. C'est dire aujourd'hui c'est unité ça, c'est les bonnes beautés, vivre ensemble ça, tête ensemble ça. Depuis nous temps nos monde son discours ignorant mon discours division vient porter courir d'elle. Pays à bouquet à discours ça. Discours ça pas dans quel côté le mener nous. Regardez qui ça fait dans 15 mois. Moi même je t'ai regardé documentaire là conseil de côté. Moi ouais que nous qui est arrivé dans construire route. Moi ouais qu'haïtien qui a fait en pile bagaille. Et ça, nous sommes là. Ce n'est pas une organisation non gouvernementale, non, c'est pas une ONG qui vient aider l'État, non. Ni, ce n'est pas, je ne connais pas son marché public, son appel d'offres, non. C'est l'État, oui, qui prend décision. C'est le ministère des Travaux publics, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture, oui, n'a pas gardé la cap travail. C'est EPPLS, oui. Moi-même, le mot est sous pouvoir 7 février. Même EPPLS, c'est une entreprise qui existe. C'est entreprise publique pour la promotion des logements sociaux. Mat kon sa, non? Là, après 2 mois, je me dis, monsieur, nous besoin faire caille, mais moi-même, comme président, je comprends, fuck, c'est organisme de charité qui peut venir caille. Et puis, directeur cabinet a dit, non, président, bon institution dans l'État, là, pour ça, on fait mon ça, on nous, mon directeur, la donne tout de suite. Et puis, l'aime garder. Loi organique et PPLS là. C'est une plus grosse institution paysanne pour construire caille pour nous. Logement social, ça veut dire ni appartement dans zone urbaine, construction de maison dans zone rurale, et puis nous-mêmes, nous oublier si institution existe. C'est pour ça aujourd'hui, nous travaillons pour nous renforcer toute institution paysanne. Pays d'Haïti pas capable jodiyan le c'est un coup pour le concours nan mel tout temps et puis pour moun vin la gueule là-dedans. Non jodiyan nous dit jodiyan nous dit tout le monde c'est pour ça axe prioritaire nous dit tout le monde mais qui ça que nous gagnons pour pays a comme priorité il y a 7 axes prioritaires. Et m'da souhaité que avant nous quitter ça là, ça veut dire si pas de copie dure, mais au moins pasteur et docteur Fizeme a gagné support électronique pour tout le monde, tout haïtien qu'on clé. Ça nous dit, mais qui ça nous veut faire pour pays pendant 5 ans? 7 axes prioritaires. Ça veut dire, au monde qui veut d'Haïti, ou voilà, ouais, c'est pour un gros document, non? Ça veut dire que c'est des thèmes clairs que nous disons. Par exemple, nous disons que le pays a besoin de 15 000 salles de classe. Et puis nous disons 15 000 salles de classe. Nous ne disons pas ça comme ça. Non, nous disons mais qui ont besoin. Mais qui commune qui besoin de l'école. Et nous disons type l'école nous voulons aujourd'hui, c'est 9
plus 3. Ça veut dire 9 salles de première année fondamentale à 9e année fondamentale et 3 salles préscolaires. Parce que ce n'est pas possible pour que l'État, si moun qui gagne moins que 6 ans, l'État pas gagne l'école pour eux. 100% l'école préscolaire en Haïti c'est privé. Nous avons décision pour que gagne l'école préscolaire publique dans le pays. Pour que si moun en... Parce que je ne connais pas un gros pédagogue qui dit tout se joue avant 6 ans. Ça dit personnalité au monde, c'est entre l'on fait là et 6 ans, c'est là qu'on construit. Comment pour un petit monde, pour l'État, pas prendre en charge pour la gueule dans mon monde? Nous prenons décision pour nous dire c'est 9 plus 3. L'école n'a construit et puis n'a construit des lycées okay, de 12 salles, de 18 salles, des lycées de 18 salles et des écoles primaires de 12 salles. Ou vini nous dit, mais qui s'annule? Mais qui type l'école? Nous avons plein de types. Et nous avons coup l'école. Yo tout. Pour nous construire 15 000 salles de classe, nous avons besoin de 450 millions de dollars. Chaque salle de classe a coûté 30 000 dollars. Parce que nous avons un gros problème dans le pays. Nous avons dit Daniel Dallaire, nous avons parlé de porteur. Le gros problème dans le pays, c'est surfacturation. Chaque bagaille que l'État a fait, depuis c'est l'État, si vous avez coûté 30 dollars, depuis c'est l'État, c'est 100 dollars. Je vous dis, nous prenons une décision pour que l'État gagne même prix à tout le monde. C'est pour ça que depuis nous prenons une décision, nous pouvons aller dans un domaine, dans un secteur, nous baillons prix de référence. C'est même j'attends que route là. Route nous a construit là. Une route, il y a deux composants là-dedans. Il y a terrassement, c'est ça, nous voyons. Travaux de drainage, les pour faire pont, les pour faire et fossé, maçonner. Elle avait dit, tout travail ça, il y a une partie dans la route là que les terrassements. Deuxième partie, c'est revêtement, c'est roulement. Là, je suis arrivé 7 février, alors encore, Daniel Debali nous donne 1 500 000 dollars. Je joue un prix kilomètre route en terrassement. Et revêtement, prix moyen de 2,5 millions de dollars. Ensuite, je joins une compagnie chinoise qui devine à faire route puis le bois. Les mêmes prix de référence, c'est 1,5 millions de dollars. On dit, ok, on achète équipement pour équiper l'État. Jodia, un kilomètre terrassement coûte l'État, parce que terrassement, c'est l'équipe difficile, c'est l'équipe base route là. Les coûte l'État entre 100 et 150 000 dollars. Kilomètre terrassement. Kilomètre de revêtement, 100 000 dollars. C'est ça, nous payons. Avait dit, on moun jodi qui décide pour un kilomètre de terrassement ou on compagnie construction ou décide de vendre l'asphalte la piche, ou à un petit moment, 7 février 2022, ou à vendre la piche. Et puis, on y a assez. Qu'on y a pris, c'est 100 000 dollars. Et il faut me dire que compagnie privée, que ma. Pour remercier, ils ont commencé à travailler ensemble avec nous. Par exemple, route Kafoujof, Port de Paix en Safoleur, nous avons commencé. C'est une compagnie privée, une entreprise privée, qui fait 5 premiers kilomètres là à 100 000 dollars pour 500 000 dollars. Route Vaudois et Kankok là, son compagnie privée, ça veut dire l'État fait terrassement, et son compagnie privée qui vient faire asphaltage, qui a fait 30 kilomètres là à 100 000 dollars. Pour 3 millions de dollars. Et nous, 100 km là, combien de temps coûte? Font un calcul. Nous avons quitté 4000 km, multiplié par. On dit pour nous prendre un prix qui est 1,5 million. C'est 6 milliards de dollars pour 4000 km. Et quand on a 4000 km là, à prix de référence, nous disons là, entre 600 et 700 millions de dollars. Il dit pays, nous besoin de volonté d'abord. Il faut me dire que nous ne pouvons pas nous allons passer et. Nous connaissons pour nous faire tisser cette question-réponse là. Mais méditez en pile sur le point que nous disons sur l'état généraux sectoriel. C'est important, important en pile pour nous. Parce que le destin nous aujourd'hui, nous mettons dans main nous. Il n'y a pas dans même encore. C'est nous-mêmes qu'on y a qui pour parler avec les gens qui sont responsables de l'état généraux pour nous dire qui ça nous besoin, comment nous besoin pour l'état haïtien. Il a fonctionné pendant 25, 50, 100 années qu'a venir. Merci en pile.
Oui. Merci, monsieur le président. Donc, président, nous connaissons déjà, il est venu pour rencontrer avec nous. M'a pas dit nous que l'exercice, c'est un exercice que nous faisons dans toute rencontre diaspora. Et nous connaissons déjà, nous en pile, nous tous, pas qu'à poser des questions, certainement, nous connaissons ça. Donc, nous avons commencé, nous avons dit que au moins, nous avons 5 questions. Exactement. Au moins, nous avons 5 questions et le pasteur Fizemé, avec moi, pral diriger sous bord droite la pasteur Fizemé, c'est lui-même qui pral diriger ça, et de ce côté, c'est moi-même. Le docteur Fizemé, oui, le docteur Fizemé. S'il vous plaît, m'a seulement rappelé nous que d'abord, tout le monde va poser question, et c'est le président lui-même qui pourra le désigner qui question la prend. Pas bien sous question. On va poser question respectueusement, il n'y a pas d'attaque, et on va courtois. C'est quand même président. Donc, une fois que le président fin désigné de là, même j'en connais dans la Maison Blanche, il dit tel monde, on va pas pocher de micro, on va kimbeli, on va poser. Si on a plus que yon, on va couper. Est-ce que nous clair? Pas gain attaque, on va respecter, on va poser une seule question pour tourner chita. Ça va? Monsieur le président, on va indiquer mon nom. Voilà. Madame, approchez, s'il vous plaît. Une question va dépasser 15 secondes. C'est moi qui ai mis le micro à virer pour les prendre pour me prendre. Bonsoir, bienvenue. Mon nom c'est Sandra Boursico et bienvenue, président Jovenel, avec madame Ni dans le pays. Et nous bien le nom c'est Sandra Boursico. Ok. Je pense que ça vous dit quelque chose. On s'est rencontrés en 2016 en Haïti. C'est probablement c'est pour ça qu'on m'a dit qui n'ont moins. Question PAM, c'est que moi-même, je représente Grapna d'Haïti, ici à Montréal, qui est GFOR. Moi-même, question, moi, c'est que pour aller dans le même ordre d'idée que vous parlez avec plantation et tout bagaille que vous avez fait dans le pays, moi, t'aurais aimé qu'on ait, est-ce que vous êtes capable de supporter Grapna plus encore? Parce que Grapna a gagné pour le venir représenter. Poser question. Produire Haïti ici, si que vous êtes capable de pousser pour que pour nous suspendre manger un avocat mexicain pour produire pays d'Haïti capable de vendre dans le marché ici dans le Canada. Merci, monsieur le président. Est-ce que nous prenons toutes les questions? D'accord. Monsieur le président, on va identifier, on va désigner Daniel, on va choisir. C'est toi, bon, disons, il y a une fille qui posait une question déjà. On prend deux filles, trois garçons, moi, pile en pile même masculine. On est là. Oui. Montez son micro, s'il vous plaît. Ma passe au PAM, non? Merci, monsieur. Oui, c'est Élisée Fritzner, journal Le Monde Plus. Président, nous comptons, bel travail vous fait. Et Haïti chargé comme un paquet de corruption dans le pays d'Haïti. Gan pile blanc voler l'argent nous tout. Et sous collecter l'argent ça yo, si l'argent ça remet, président va gasser cob pour faire développement dans le pays. Et en plus, qui ça va le faire? Est-ce qu'on a un garçon dans Taïwan assez pour prendre cob ça yo pour faire travail pays? Parce que trop l'argent dans le pays, trop l'argent dans l'autre bord de l'autre, moun yo blanc voler, haïtien voler pour nous rendre cob ça yo pour faire travail pays. Est-ce qu'on a un garçon dans Taïwan président pour prendre cob ça yo? Une jeune dame, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur le président. Je suis bénévole depuis plus de 15 ans dans les organisations régionales. Je vous remercie de votre présence et de la présence de votre épouse, la première dame. J'ai ici un document. Je représente toutes les associations régionales et nous avons écrit les obstacles. Le nom, madame, le nom? Nancia. Nous avons écrit les obstacles que les organisations, auxquels les organisations font face pour aider dans le développement. Nous voulons être actifs, mais il y a beaucoup d'obstacles. Donc, je vais remettre ce document à votre conseiller, Daniel Joseph. Ma question, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement
pour aider les organisations régionales qui sont impliquées dans l'éducation des enfants, dans la santé des populations, dans l'agriculture. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider à pouvoir travailler en Haïti plus facilement? Donc, retenez-nous deux questions. Docteur Vizemé, on va prendre une question. Ici, et puis ma prenons là. On prend une à l'arrière. Oui. À l'arrière, et on prend une en bas. Voilà. Pas pour question en bas. Oui. Ok. Donc, le journaliste Raymond Laurent. On va prendre une question en bas. Équitable. Technicien, vous parlez pour la question en bas. Vous nous gardez caméra, ça là. Son Excellence, je crois que vous gagnez une communauté respectueuse qui vous recevra ici. Me rappelez après votre première victoire, première entrevue qu'au Bayo Canada, c'était avec votre serviteur Raymond Laurent. Vous avez dit, moi, bon, 15 minutes, nous fait 40 minutes. Première fois que me détendez, c'était dans Matin Caraïbe. Là, vous avez parlé de Nec Banane avec votre projet de AgriTrans. Vous avez dit que vous êtes un monde qui a une vision pour le pays. Entre l'image et la réalité, nous sommes capables de dire que c'est deux choses différentes. Nous n'avons pas dit que vous n'avez pas fait. Travail là en pile. La communauté a des revendications. Nous avons MAV qui pas réellement au ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Premier ça que nous avons gagné, c'était commissariat des Haïtiens vivant à l'étranger. Commissariat d'outre-mer. Il y a un problème, non? C'est droit nous en tant que diaspora pour ça que nous représentons pour le pays. Deuxièmement, nous avons un programme Moun Kap Volé Tè Moun en Haïti, président. Ma vive Canada depuis 1969. La politique m'dormi avec, m'levé avec, manger, m'dîner, m'souper. L'insécurité, monsieur le président, la corruption qui fait partie de votre projet, je crois que vous avez besoin de mettre l'ordre dans des ordres, parce que souvent la diaspora est victime de tout ça que nous sommes dit là, et il est temps pour que les choses changent, monsieur le président. Merci. Voilà. Ok. Pasteur. Oui, s'il vous plaît. Pasteur. Oui. Docteur. D'accord. Qui est sous-désigné, monsieur le président? Comment? Le dernier intervenant. Ah, d'accord. Pour les gens, oui, qui sont dans la salle d'en bas. Alors, le conseiller Daniel Joseph en bas n'a prêté attention à la question que mon en bas a posée, s'il vous plaît. Bon, nous gagnons citoyens qui en bas, il y a un jeune garçon qui pourrait poser des questions. Ou tu as peut-être des questions tout à l'heure, non? Ou tu as des questions tout à l'heure. Et ou tu as plusieurs questions posées déjà. Alors, n'a pas des questions là. Si toutefois, les questions là sont questions qui sont nouvelles par rapport à quatre autres questions posées déjà. Oui. Alors, moi, tu as souhaité saluer Son Excellence Jovenel Moïse et sa femme. Question maintenant, c'est plus par rapport à jeunes haïtiens nous qui parti qui était Haïti qui en Chili. Nous avons connu qui ça gouverneur président a comme programme pour empêcher jeunes qui en Chili et jeunes qui capable prêter dans le pays Haïti et faire des grandes choses. Nous avons connu qui programme que Jovenel Moïse pour gagner pour jeunes ça pour empêcher en Chili. Voilà, monsieur le président. Voilà, monsieur le président, il y a beaucoup. Est-ce que pour deuxième question, alors je remets la parole au docteur Vizemé pour la réponse de cette année. Voilà, un petit peu de silence. Nous songeons que Fizeme, oui, c'est président qui a décidé de combien de questions la prend. Est-ce que docteur Vizemé n'a pas une dernière question en bas? En bas, voilà. Ouais. Donc Daniel là où même encore? Allô Daniel, voilà. L'ouvrir. Maintenant, moi, je prends un jeune garçon en bas, je prends un jeune. Attention. Ok. Président.
Moi, tout à l'heure, on présentait un pile plantule qui préparait pour planter en Haïti. Mais Haïti a un gros problème avec l'eau plantée pied bois. Moun yo pa gen zèb guiné, zèb yore les zèb Guatemala. Yo pa gen rien pour bay bèt yo manger. Le soir, yo la gen bèt yo tout sont planté. Yo manger. Moi m'nan gon projet en Haïti, c'est ça m'a fait. Mais malheureusement, presque vous êtes découragé. Parce que moun yo pa gen rien pour bay bèt yo manger. Puis le soir, yo la gen bèt yo sans corde. Et puis tout sont planté la journée, le lendemain, ou rien ou pas jeune. Et voilà, c'était la dernière question en bas. Voilà. Docteur Fizébé, voilà. Merci. Vous l'avez répondu, Président. Merci, Daniel. Donc maintenant, en nous font silence, Président décide, pas bien l'autre question encore, une chita, ça va servir à rien pour agiter, mais on pas bien l'autre question encore. En nous seulement prêter attention à la réponse, Président. Merci. Merci, et c'est 6 questions pertinentes. Premièrement, m'a dit Madame Boussico que c'est à la chorale que la prêché, c'est à coup son porte li vin pour l'ouvrir, mais qui ouvre déjà. Porte là-bas même là même. Pour que produit haïtien qui vend sur le marché canadien. Et nan yon bilatéral que m'a bien demain, nan tête à tête m'a bien avec tout président m'a bien pour moi rencontrer. C'est une gros question que m'bral parler avec eux parce que nous avons un pays, 80% de nous bio. Ça veut dire. Nous avons fait des produits organiques et pourtant, tout marché est fermé pour nous. Et comme dit Mme Boussico, que le pilier faut qu'on fait pour que dans le niveau parlement, loi sur certification de voter, parce que le plus gros problème en Haïti, une loi sur certification, ça veut dire qu'ils permettent leur pour faire une certification bio, obligé de payer pour payer une entreprise internationale pour venir faire en Haïti. Mais avec votre loi, ça permet que je dis, nous sommes capables de faire certification nous-mêmes en Haïti. Mais qu'on y a, plus gros tête chargée, c'est que marché, surtout marché, les marchés du Nord, sont fermés. Il faut ne pas oublier ça. Et nous travaillons pour que ce n'est pas seulement mango que nous avons comme produit bio à l'extérieur, nous avons fruits et légumes, nous avons bons gens produits que nous pouvons faire sur terre organique en Haïti. Mais à travers GAPNA, demander équipement tout pour prendre toutes coordonnées, ambassade d'Haïti qui est au Canada, pour que très prochainement, nous inviter nous tous pour nous venir en Haïti, pour nous venir regarder avec yeux par nous. Qui opportunité, qui possibilité de gagner, parce que nous-mêmes, nous sommes marché canadien déjà, que nous comprenons, pour nous créer synergie, pour nous capables de mettre deux groupes ça ensemble, ça veut dire Haïti avec Haïtiens qui vivent en Haïti et Haïtiens qui vivent au Canada, dans affaires d'exportation, parce que c'est extrêmement important pour que nous exportions produits haïtiens. Et ceci, ce n'est pas d'une manière informelle, on n'a pas parlé d'exportation formelle sous marché canadien. Deuxième question. Monsieur Fritzner, Élisée, soit fait de récupération de l'argent de l'État, vous demandez est-ce que je suis pendant l'homme dans moi? Est-ce que vous pensez que. C'est un coup de retourner en question. Sors sur là. Bon, lorsqu'on peut acheter 123 millions de dollars d'équipement en Haïti, c'est. Si m'da, pour m'da raconter nous histoire achat 123 millions de dollars d'équipement, ça. Pour équiper toute direction départementale, nous n'avons qu'à faire nuit là, nous n'avons même qu'à comprendre. Tellement il y a un verrou qu'on est obligé de sauter. Et m'a dit, ce n'est pas pantalon qui est dans ta main, mais il y a un courage qu'il faut. Toute réforme qui peut faire dans le pays en matière de récupération de l'argent, l'État, ça c'est une deuxièmement, pour faire prévention corruption en tout. Parce que le plus gros problème, ce n'est pas le couleuvre la fin passée pour nous suivre trace et tout. Parce que nous, ça passe, par exemple, la Suisse a 6 millions de dollars que les Kembe pour le président Jean-Claude Duvalier depuis 1986. Ça a 32 ans. Jusqu'à présent, l'État haïtien n'a jamais capable de joindre 6 millions de dollars. Elle dit, nous comprenons, le coup de la fin de base, c'est une suite. La pire mal pour nous, c'est prévention corruption, c'est ce qui est important pour nous. Goumen pour que chaque 5 cobles de l'État a pour l'entrée. L'entrée, ça c'est un. Deuxièmement, l'entrée pour le faire travail, les gains pour faire pour collectivité.
Troisième question, Madame Nancia, vous avez parlé de l'intégration des organisations régionales dans le grand chantier de développement d'Haïti. Je dois vous dire que le pays est ouvert. Nous sommes prêts à recevoir nos frères et sœurs de la diaspora. D'ailleurs, c'est pour ça qu'au Canada, nous avons une ambassade, il y a un consulat, et aussi, il y a le CFI en Haïti, le Centre de Facilitation d'Aide des Investissements. Nous sommes très ouverts parce que nous ne voulons plus parler de ce grand business. Je veux parler de l'humanitaire dans le pays. Aujourd'hui, nous voulons parler de l'investissement, nous voulons parler du développement. Et c'est une très bonne chose pour nous de voir ici au Canada, il y a une jeune dame qui est intéressée à intégrer ce grand chantier de développement d'Haïti. Vous êtes la bienvenue avec vos équipes parce qu'aujourd'hui, vous avez une équipe à la tête de ce pays qui est là pour ouvrir le marché haïtien, qui est là pour ouvrir ce pays pour la diaspora haïtienne parce que la diaspora haïtienne est une diaspora riche. La diaspora haïtienne est une diaspora qui a beaucoup d'opportunités et pourtant, Haïti parfois ferme les portes pour sa diaspora. Les portes sont ouvertes aujourd'hui. Elles sont grand ouvertes. Merci. Monsieur Laurent, problème terre. Oui, depuis mon pape premier, ça me met sous pied, me mettait en bas avec les brissifs. Brissif là, c'est une brigade que nous mettons sous pied qui pouvait aider les gens dans les affaires volontaires. Je ne sais pas si sur les réseaux sociaux, nous sommes moi-même en personne. Pendant que je descends sur la caméra, je passe Vivi Michel, là où tu as écrasé, Clotilde Caïmoun, Vivi Michel, un seul monde dit qu'il y a 330 caoutés. Et je dis à ma petite nous écrivez papier que monsieur t'a fait jugement, papier faux. Ça veut dire on est galé l'alcrasé Kaimoun. Et puis on bagarre en Haïti que ma petite nous qui est le jugement par défaut. Donc on a jugement, yo soufflé au jugement. Ça veut dire là dans la diaspora, où on est en Haïti, bon jugement qui est en fait sous lui, yo prend terre à jour, et puis jugement exécuté. Maintenant, le premier, ça n'a travail qu'on y a soulé. C'est pour nous faire une proposition de loi qui va permettre que le Parlement, chaque problème qui est fait, chaque monde qui a besoin de jugement par défaut le faire là, pour n'empêcher pas ça. Ça veut dire long jugement pour l'exécuter, il faut deux mounions auquel ils sont présents. Ça, c'est le premier problème que nous avons besoin de résoudre. Mais deuxième problème, non, c'est renforcer Brissif là. Nous entendons ça qui s'est passé. Brissif là, ils font une opération dans le sud-est. Moun boule deux machines brisif et policiers qui étaient accompagnés moun qui t'a fait opération yo, même zam yo yo vin récupérer zam yo par la suite mais bandi te prend. C'est pour me dire nous c'est pour une bataille qui facile, bataille contre corruption, c'est pour une bataille facile. Moi même moi dit moun qui était en Haïti m'a dit à soir au Canada dans Montréal, m'a continué bataille là. Mais c'est ça me dit nous là nous un gros problème ambassade là pas passer par l'autre chemin aller côté moun officiel. Laisse ça parole la privée dans oreille moi plus vite. La privée jeune moi plus vite parce que là nous mettre brissif là camper c'est wall brissif là même qui pour faire intervention rapide depuis gon côté à volontaire. Nous atterrir, nous bloquer ça. En attendant que mettre terre vini pour le vin faire revendication, mais nous bloquer. C'est un coup au Cap Haïtien, non. L'autre jour, dans la commune quartier Morin, nous attendons ça qui s'est passé. On équipe moun envahit un terrain, mais nous débarquons avec équipement. Moun qui était commencé à bâtir caille écrasé et terrain, yo récupéré pour mettre. Ça dit nous-mêmes là où mon problème,
parler avec l'État directement. Parce que je dis à un monde qui est dans tête l'État, qui tendait nous régulièrement, mais qui pour me tendre nous, faut me tendre nous à travers couloir officiel. C'est là ça la plus bon pour moi, parce que nous pas cap bien terre nous que n'acheter pour me dire nous y a papier nous la caille nous ici et puis pour mon a volé. L'IPAP c'est pas non 5 ans que n'a changé ça non, mais base là n'a mettre pour nous faire qu'on est monde pas doit voler tes monde. Mais faut pas oublier tout. Pouvoir judiciaire là pays il y a trois pouvoirs. Le pouvoir exécutif que monsieur chef lui. Le pouvoir législatif, que nous avons deux parlementaires qui sont ensemble avec nous, c'est le sénateur Hervé Foucan et le député Abel de Collines, que m'a demandé au fond de petit camp pour nous avoir plus ou moins. C'est une déroule. Qui est ensemble, qui accompagne nous. Et ce n'est pas pour rien que nous avons marché, mais toujours marché avec parlementaire. Parce que loi, il ne faut pas oublier ça, si ou même comme exécutif, ou pas, par exemple, là, bien content, parole, si vous parlez, devant un sénateur, devant un député. C'est-à-dire, là, qu'on y a, nous voyons, on loi en bas, sous ça, il y a qu'on est, mais qui souffrance diaspora, t'as souffri, ça veut dire, pour nous capables d'aller avec loi, on t'y vient plus vite. Nous voulons répondre, jeune, qui t'ai parlé, de solutions pour jeunes qui ont quitté le pays. Depuis la campagne électorale jusqu'à aujourd'hui, hein, moi, toujours, j'ai courage, pour ne pas camper, pour ne pas bailler personne menti. Pour nous dire vérité à Jean-Lié. Jodia, jeunesse a cap quitté pays, hein, un gros mot créole qui est l'espoir. Depuis ce côté, mon père perdu l'espoir, il n'y a pas le chercher l'espoir de l'autre côté. Il faut ne pas oublier ça. Sous chaque 100 haïtiens qui vivent, il y a 70 qui pour gagner 35 ans. Ça veut dire que nous avons une population jeune. Le lui-même. Il va gagner repère, il va avoir route. Il va chercher route là. Mais route là, pour nous construire, la solution, ce n'est pas à soi, non, que je m'en prie. La solution, c'est que les gens commencent à voir. Il faut nous construire le pays ensemble. Les gens états généraux, nous sommes dit nous-mêmes pour nous participer là dans les états généraux sectoriels de la nation. Pour nous commencer, c'est wall nous. États généraux, c'est tout bagaille. Le problème de corruption, on a parlé là. Nous devons faire des propositions pour nous dire mais qui j'en nous voulons aujourd'hui pour que l'administration publique la réforme qui peut faire la donne. Parce que faut me dire nous, il faut gagner de grandes réformes qui fait dans le pays. L'administration publique haïtienne est malade. Et pour réforme en fait, c'est à travers l'État généraux, c'est nous-mêmes qui pouvons porter réforme. Et c'est ça qu'on y a, jeunes ça qui courir quitter le pays. Opportunité que nous avons créée, par exemple, nous le 2 juin. Moi, je saute inaugurer un centre incubateur technologique. Son gens pour tous les jeunes qui ont des idées de projets qui en nouvelle technologie, les ravines dans ce centre. D'ailleurs, son centre que nous ouvrons pour nous former 1000 jeunes par mois et puis permettre 100 jeunes incubés, ça veut dire ou capable de faire propre entreprise par ou joindre financement pour lui. C'est ça que nous faisons se trouver dans Port-au-Prince, dans Triomphe. Mais qu'on y a, dans le plan que nous avons, nous avons un plan pour nous faire un pacte scientifique et technologique. Pacte scientifique et technologique, là, parce que le monde là où nous l'apprenons aujourd'hui, la technologie, hein, nous voulons parler, nous voulons parler de technologie, information et communication. La route que nous prenons, jeunesse là, c'est dans la route ça va parler tout. Tout pays sur la terre, aujourd'hui, hein, il y a un pacte scientifique et technologique. Je suis à Taïwan, la semaine dernière. Taïwan a 3 pactes scientifiques et technologiques. Un seul pacte sur 1600 hectares. Elle disait pour nous dire comment c'est important aujourd'hui hein, pour en Haïti nous commencer à mettre des projets en place qui permettent que la jeunesse nous rebelle l'espoir. Mais quitter le pays, hein, si vous me dites que c'est demain matin que je vais le bloquer, tant que je vais le fond mu, qui pour empêcher tout le monde de courir quitter le pays, hein, moi-même, je crée des conditions pour mettre espoir dans le pays hein, pour les Haïtiens recommencer à rêver. Nous ne pouvons pas suspendre le rêve. Et pas oublier ça, Jean-Claude Mounio dit là, grossez rêvez-vous. C'est grossesse, soit bien pour faire dans la vie à tout. Mais là, si ce rêve, ça ne doit pas exister encore. C'est pour ça, moi, dis nous que moi-même, je travaille pour que le rêve haïtien nous reconstruise encore.
parce que rêve haïtien était là, parce que faut ne pas oublier côté Nchita là dans les années 60, qui est société ça, la société québécoise qui peuple sous la terre. Côté intellectuel yo en pile nan yo te souci. Ah ben bon. Ça veut dire nous comprendre ça. Ça veut dire Haïti, c'est même Haïti ça, c'est l'Igla toujours. Maintenant c'est nous-mêmes qui pour connaître pour premièrement pour nous mettre tête nous ensemble, deuxièmement pour nous une vision partagée parce que la vision elle ne peut pas être imposée, la vision doit être partagée. Tant que volonté ça m'y là. Mais si m'pa jwenn support nous, il n'y a pas rien que la utile. Si chaque décision que m'prend en Haïti et puis au lieu que m'pa jwenn support qui moun qui pour supporter des décisions, c'est goumen nous goumen avec l'état, gouvernement à travers presse là pour nous casser décision pour son problème. C'est pour nous comprendre aujourd'hui chaque décision que nous-mêmes nous prenons dans le niveau de l'état, nous prenons derrière de la loi, nous prenons avec un pile responsabilité, un pile sens de responsabilité. Il dit aujourd'hui pour nous un pays meilleur. Non. Tant qu'à venir, c'est pour nous capables de mettre nous dans une situation, pour nous capables de mettre nous ensemble pour nous une vision partagée. Pour nous tourner dans la question de Laurent encore. Laurent parlait de insécurité, de corruption. Ce n'est pas corruption en Haïti. Nous t'entendons dire le 4 septembre 2017, le pays a 5 problèmes. Premier, c'est corruption. Deuxième, c'est corruption. Troisième, c'est corruption. Quatrième, c'est corruption. Cinquième, c'est corruption. Nous t'entendons dire. Mais, pour me dire, nous, le bagay fait système. Nous comprenons ce que ça veut dire. La corruption fait système en Haïti. Ça veut dire, ou même là, ou besoin font pièce en Haïti, au lieu que ou aller ou dire, bon mal, non, consulat, pour mal faire pièce ça, et puis sortant de là, ou relonzant moi Haïti, ou dire, ou pas qu'on a un monde qui a fait une pièce là tout de suite. Ça veut dire, et puis, regardez qui pièce que le baou, son faux pièce de vous et baou. Mais est-ce que tu as bon faux pièce dans le consulat? Non. C'est pour ça qu'on a battu pour améliorer les services. Moi, je comprends pas le problème pour nous trouver. Tellement service de l'État, là. Maintenant, nous-mêmes, parfois, nous voulons le plus vite. Mais c'est pour me dire que corruption fait système, ça, comment le relais? Son acte de corruption, lui. C'est-à-dire, et corruption, c'est comme. Le tango, c'est à deux que le danse. Corruption, il va danser pour contre lui. Un bon exemple, nous avons parlé de surfacturation dans le pays. Le entrepreneur, moi, il y a des témoignages. Entrepreneur, il y a un travail qui est supposé fait pour 1 million de gouttes, par exemple, et puis il mettait 4 millions de gouttes. Moi-même, j'ai eu une chance de parler avec un bon président. Il dit, président, c'est pas 3 millions de gouttes, là, il va dans la poche, nous le venir, non? Premièrement, là, pour faire dossier à vos grands porteurs, ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent porter dossier à vous. Ou même, vous pouvez porter dossier à direct. Deuxièmement, là, pour payer, ou on risque tout le monde là, pour payer. C'est ça qui fait que nous sommes obligés de mettre la prochaine. Eh bien, c'est ça que je dis à nous combattre. Nous mettons équipe sous pied. Nous disons tout entrepreneur ça. Depuis ou al toucher l'état de chèque pour payer ou on moun mande ristoun dénoncer et nous mêmes nous parler le ça pour nous comparer et pas gen moun kap ka fè yo fè chasse aux sorcières ou comme si pour mettre dehors pour pas avoir job encore ça pas exister encore. Mais c'est pour m'expliquer nous comment que corruption li entre en dans tout système là. C'est pas pour nous faire politicienne avec mot ça. Son gangrène pour le pays. Ça veut dire que c'est pour moi que nous avons joué avec lui. Ça veut dire qu'on garde le volume de travail qu'on fait dans nos pays par rapport à ça que nous utilisons comme l'argent. On compare comment ça a été fait avant par rapport à qu'on y a. Et nous connaissons ça qui est dur. L'ennemi. J'ai mis sur table dit si m'y pas dans time. Parfois les miens sont dans lié même. C'est pas dur non. Ça dit me voulait pour nous comprendre que aujourd'hui nous en face à un dilemme grâce à Dieu président pays à comprendre ni
et un problème identifié, il est à moitié résolu. C'est dit problème corruption, nous identifions. Eh ben, si nous-mêmes, c'est pour ensemble, pour nous camper, pour nous voir comment on a fait pour nous résoudre ensemble. Mais pour le résoudre, j'aime dire, ce n'est pas le combat qui arrive et pour dire, ça n'a pas intéressé parce que c'est pas moi. C'est pour nous dénoncer. Parce que Laurent, on dit que depuis 1969, on a fait politique. Ça veut dire que ça me dégaine un an. Mais je veux dire, bon monde qui président qui n'a tête pays à dire que on a ensemble, on bataille ensemble contre lui. Parce que moi me dis tout le monde ça après 16 mois, si il y a un monde, même toujours dit m'bail défi ça. Qui connaît que président, première dame là, équipe moi, bon monde qui devine jour que pour te ouais on monde en Haïti. Peut-être on commence à dire, ou qu'on amène un monde qui bien intéressant pour aller faire un projet dans pays à dire pour président bon, faut parler avec moi ou bien faut dans projet à venir faut un pourcentage ou qu'on va quitter pas ça encore non pas là encore on monde qui t'a eh ben c'est pas là ou pour nan, s'il vous plaît pour aller dans ambassade là ou mandon rendez-vous et puis qu'on y a ambassadeur à baou rendez-vous pour ça pour dénoncer ou pas besoin prendre publiquement comme si vous dites sous paix pour même pour pas rien représailles contre tout, mandons rendez-vous ou dénoncez. Et puis là, ça document privé joindre nous directement dans le ministère des Affaires étrangères là. C'est pour ça aujourd'hui nous montons l'État qui vous servir. Mais si ou même ou continuez avec même habitude, sont tête chargée que la pierre. Parce que nous dit nous-mêmes, le poisson pourrit par la tête, mais il peut être guéri par la tête aussi. Elle dit nous-mêmes, notre tête l'État aujourd'hui. Nous disons nous voulons guérir poisson. Ça veut dire si pour nous guérir, c'est avant pour nous guérir. Nous ne pouvons pas guérir sans vous. Dernier point, c'est forêt. Que je ne voulais parler de reboisement. Que dame qui est en bas, il était parlé de reboisement. Mais il faut me dire que le modèle reboisement que nous allons faire là, les pales chita souillon ont une méthodologie claire. Nous parlons de travail pour que y ait des forêts communales qui fait dans le pays. C'est pas comme si on monte pompier pour aller planter l'isolé pour planter. Non, il n'y a pas comme ça nous va le faire. Maintenant, nous gagnons près de 600 agents environnementaux déjà qui recrutent, qui forment là pour ça. Avait dit c'est des forêts communaux que nous des forêts communales. Je m'excuse que nous va le faire. Avait dit forêts ça, toute commune dans le pays. C'est pour ça qu'on a mis 14 méga pépinières dans le pays. C'est ça où ils ont centre germoplasme. Ce n'est pas seulement pour pépinières, non. Là, il y a des systèmes okay, de propagation végétale dans le pays. Là, il y a un laboratoire, toute qualité de bagaille dans le centre. Nous avons inauguré deux. Hier, moi inauguré le centre Fond des Nègres. Le mois prochain, m'a inauguré le centre Mafran dans Grandance. Avant fin d'année, m'a inauguré le centre dans le nord-ouest, là, dans la ville Port-de-Paix, pour préciser, dans la section communale Aubert. Et dans la fin d'année à tout, nous avons inauguré le centre Germoplasme dans le Grand Pré, qui est dans la commune de Katimouin. Ça veut dire, année ça seulement, nous avons bientôt mis 5 centres campés sur 14 que nous avons pour nous construire dans tout le pays. Et nous disons, dans le programme l'école là tout, nous avons dans le documentaire là, nous allons mettre la donne. Matière ça qui lié à l'environnement pour chaque petit monde qui va à l'école en Haïti, il y a obligation pour planter 100 pieds bois parce que il y a plus que 4 millions de petit monde qui va à l'école dans le pays. Petit monde, il y a un droit pour aller à l'école gratis, mais faut petit monde, il faut un devoir tout. Devoir c'est pour planter pieds bois pour quitter un autre pays pour génération qui va venir. Merci. Voilà, c'était la rencontre du président de la République, son excellence Jovenel Moïse, avec la communauté de Montréal.